Saints Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo hors du commun. Soyez prêts. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose vraiment grave que je vois, que j'ai vu. Vraiment, c'est terrible. Ah! Avant, on priait beaucoup ici. Il y avait beaucoup de veillées de prière. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler de veillées de prière. Moi, mais je n'étais pas chrétien. Comment notre ennemi est en train de nous éloigner de notre Créateur? En fait, comment le diable est en train de faire pour nous éloigner de la présence de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir ici dans cette vidéo. Ah, mes frères et sœurs, à la fin, vous-même, vous allez analyser la situation et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Si vous pensez que j'ai dit la vérité, que c'est vrai, laissez votre chaîne, entrez dans votre chambre, demandez pardon à Dieu et avancez maintenant avec lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Nang's Reborn. Mes frères et sœurs, c'est terrible, mais c'est la vérité. Les gens se loignent de plus en plus de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont plus attirées vers le mal que vers le bien. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment bizarre. Alors que l'homme né d'une femme, ne vit pas toujours sur la terre. Et sur la terre où nous sommes arrivés, nous sommes juste arrivés en mission. Et nous avons juste peu de temps à passer ici. Même si c'est 200 ans, même si c'est 300 ans, on finira par partir un jour vers Dieu. Maintenant, vers Dieu, où on va partir là? On doit aller là-bas avec nos œuvres. Oui, ce sont nos œuvres qui vont parler pour nous. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait? Et voilà, tout sera présenté devant Dieu. Et comme vous savez aujourd'hui, les gens filment tout. C'est comme ça aussi les anges ont fait des selfies sur vous. Ils ont fait des selfies. Ah, cette fille-là, elle aime beaucoup boire de la bière. Ok, on va filmer ça pour garder ça, l'attendre après. C'est exactement ça. Et où chacun aura son film devant lui. Ah, maintenant tu vas t'imaginer ce que tu faisais. En ce moment, tu vas dire, ah, mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne savais pas, je ne savais pas. Ça, c'est l'accent camerounais. Je ne savais pas, je ne savais pas. C'était le diable. Ah bon, c'était le diable. Et le diable. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, il n'y est pas pour rien dans cette affaire. Il a même mis dans cette affaire dans le processus de destruction du monde. Il éloigne les jeunes de la parole de Dieu, de tout ce qui se passe à l'église, et les retient dans les choses éphémères, dans la musique profane, par exemple. Aujourd'hui, vous allez prendre la musique profane, vous allez retrouver les jeunes du monde entier. Moi-même, j'étais dedans. Moi, à un moment donné de ma vie, j'écoutais de la musique profane. Je disais que c'était juste pour rigoler. Mais, aïe, aïe, aïe. Beaucoup de choses sont passées dans ma vie quand même. Hey! À un moment donné, là. Dieu a fait des révélations terribles sur la musique profane. Genre, comme si la musique profane, c'était une chose qui me préparait déjà à aller dans la maison du diable un jour. Mais Dieu était bon avec moi. Il m'a fait beaucoup de révélations là-dessus. Et moi, j'y ai cru. Et j'ai décidé de changer. Même de me débarrasser de tout ce qui est de la musique profane. Parce que dans la musique profane, les gens ne font que parler des choses éphémères, des vraies choses. Ils parlent du sexe, ils parlent de l'argent tout le temps, de la drogue. Ils vous disent qu'avoir beaucoup de copines, c'est bien. Je vous dis qu'avoir des filles, quoi, des formes comme ça, c'est joli. Alors que ce qui est à l'intérieur d'elle, là, qui est censé vous attirer. Ou, le diable utilise les stades de la mesure profane pour pouvoir distraire les gens. Premièrement,
La distraction, le diable, il s'est dit, lui et ses démons, ils se sont dit, écoutez, inventons de belles choses pour pouvoir avoir ces gens-là. Inventons des choses extraordinaires pour pouvoir avoir ces gars là-haut. Parce que si on ne le fait pas, ils risquent d'aller rencontrer Dieu là-bas au paradis. Nous, ça ne va pas nous arranger. Du coup, ils se sont mis à créer tout et n'importe quoi, inspirer les gens pour inventer des choses extraordinaires qui vont maintenant attirer le regard des gens, surtout les jeunes, et les emprisonner dans certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Nang's Reborn. Regardez ce qui se passe même dans les films. En général, en début de film, déjà, on montre une fille sexy, la caméra filme c'est son postérieur, et puis tout le monde est comme ça. Ouais, tu touches au voisin, mon ami. Est-ce que tu as vu? Il dit non, je n'ai pas vu, mais toi, qu'est-ce que toi t'as vu? Est-ce que j'ai l'impression que ce que tu as vu, là, j'ai vu la même chose? Parce que le diable vous a eu, le diable vous a eu! Vous êtes dans les problèmes! Hein? Nang's Reborn. Le démon s'est dit qu'il va inventer des vraies choses comme ça pour vous avoir. Aïe, aïe, aïe. Il a commencé à inventer les films. Toutes sortes de films. Toutes sortes d'illustrations. Ah, à 19h, il y a un vrai film qui fait, un vrai feuilleton qui va passer. À 22h, il y a un vrai feuilleton qui va passer. La fille, elle ne trouve pas, elle ne trouve pas la force pour prier, hein, mais elle trouve beaucoup de force pour pouvoir regarder le film. Elle peut même expliquer même ce qui va se passer même dans le film, même ce qui n'est pas encore tourné. Elle peut même expliquer d'avance. Genre, elle est même très forte. Elle peut expliquer le film plus que la Bible, la parole de Dieu. Alors que, quand un être humain meurt, ce qui l'accompagne, c'est la parole de Dieu, sa relation avec Dieu, sa prière, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est d'ordre spirituel. Parce que, quand on meurt, c'est notre esprit qui s'en va, c'est notre âme qui s'en va. Nos maisons, tous nos biens, tous les films vont rester ici. Qui va maintenant venir regarder ces films-là pour vous? Un mort ne peut pas venir encore sur la terre pour venir regarder les fesses des femmes. J'ai vu le mort et il se dit, ah, pourquoi je suis mort avec les jolies femmes comme ça là? Oh non! C'est fini. Tout ce que les esprits font, c'est adorer Dieu ou adorer le diable. Ça dépend de ce que vous avez fait sur la terre. Le diable est venu avec des âmes terribles pour pouvoir vous avoir. Moi, je suis en train de vous dire la distraction. Les gens sont beaucoup calés sur les réseaux sociaux en train de raconter leur vie. Ils racontent, tu parles de tout et de rien et la plupart du temps, dans leur conversation, ils ne font que parler du sexe. Du sexe, du sexe. Ah, ils se disent, quelle est la taille du sexe? Ils se disent, est-ce que tu dois verser le crachat à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Et ils sortent des rigolantes et... Si je vais se cacher à l'extérieur, très dur, c'est pas si que j'aurai un enfant sur un jour, hein? C'est de la blague. Tu n'es même pas encore prêt. Tu n'es même pas encore prêt. Toi, déjà, tu parles du sexe. Le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Ouais, te concentrer sur ce qui est essentiel dans ta vie pour réussir. Tu es en train de te concentrer sur les choses éphémères que moi j'appelle les choses du diable. La distraction. La distraction, parce que il s'est dit, notre ennemi s'est dit que il va inventer, lui et ses démons vont inventer de très belles choses afin de pouvoir vous retenir de les choses de distraction afin de vous conduire petit à petit en enfer. Et déjà vous amener à ne plus lire la Bible et même à ne plus prier si c'est possible. La soeur chrétienne qui priait une heure du temps avant, elle ne peut plus. Hein. Maintenant, elle regarde des gens. Ou bien elle regarde des films. Quand il est l'heure de prier, il faut la voir comme ça, elle est comme ça. Oh Seigneur, je sais que tu es jolie. Ouais, tu es même plus beau, même que beau. Elle ne peut pas dire pardonner, hein, parce que là où même je suis, là même, j'ai même sommeil. Amen. What? Mais il y a des signes ou quoi? Tout c'est peut-être ça, t'as prié. Le diable t'a eu, mon ami.
Peut-être tu as eu, mais faut pas te laisser faire parce qu'il n'est pas trop tard tant que tu as envie. Nangs Tant que tu as envie, reborn. il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a l'espoir. Ouais, c'est vrai. C'est pas de la blague. Il faut faire très attention parce que le terme maintenant, il achève les gens facilement. On n'a pas de virus, ce virus qui enlève les gens, qui tue les milliers de personnes. Tout le monde est tombé, les gens courent passer par là. Pendant ce temps, tu t'es distrait là. Le diable a fait son plan, hein, il a fait son travail. Reborn. The devil at work, le diable au travail. The devil at work, le diable au travail. Faut te lever, mon ami, il faut te lever, ma soeur. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comme les filles, elles passent tout le temps à se prendre des photos sexy, elles se tirent des photos comme ça. Elles montent, elles prennent des photos sur ces scènes. Elles font comme ça. Pourquoi elles montent là? Elles prennent son truc, son appareil. Faut la voir. Elles se filment. Clac. Elle se tourne. Elle tire les photos sur ses fesses. Pac. Elle tire les photos passées par là. Et puis, elle s'amuse à les poster sur les réseaux sociaux. Maintenant, un jour, son petit gars tombe dessus. Maintenant, il vient lui dire: ah, attends, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que tu me trompes? Elle dit: non, je ne te trompe pas. Non, je ne suis pas en train de te tromper. Il va dire, mais comment est-ce que tu n'es pas en train de me tromper? Voici l'ordinateur, je vois même tes photos. Alors, où est-ce que tu as bien que je te suis? Tellement tu veux me tromper là, tu as bien que je te suis. Le diable t'arrive, ma chère. Regardez. Il va regarder toutes ces photos à lui montrer. Il dit, mais comment est-ce que tu peux te prendre une photo comme ça, montrant des seins? C'est là qu'il va commencer à dire: ah, tu es venu me trouver comme ça, laisse-moi comme ça. C'est comme ça que j'étais avant que tu viennes me trouver, tu m'as trouvé comme ça, laisse-moi comme ça. Et ma soeur, tel que tu es là, Dieu veut que tu changes avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que tu entends de dire peut se retourner contre toi un jour. Nang's La vie est reborn. haute pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Pas de la blague. Dieu veut que nous vivions longtemps. Mais le diable veut écouter notre vie. Il veut tout détruire. En inventant tout n'importe quoi. Il y a les jeux vidéo. Aïe aïe aïe. Il y a des soirées organisées par lui et ses agents. Oh. Il y a toutes sortes de choses hors du commun. Même des sites X pour retenir la pensée des gens et la concentration des gens sur des choses qui leur fera tomber dans l'eau. Oh non, dans le trou. Non. Puis encore dans le feu. Parce que c'est l'enfer à la fin. Nous devons vraiment prier que Dieu nous aide et que nous-mêmes nous devons vraiment faire attention. Tu vas regarder un film, tu vas voir tout que les gens s'en passent. Moi, je regarde, dès que je regarde la télévision, dès que je vois que les gens s'en passent dans un film, je vois que ça commence à me dépasser. Je change de film en même temps. Je ne suis pas obligé de regarder ça. C'est moi, mon Dieu m'a confié une mission ici sur la terre. Je ne suis pas venu pour rigoler avec vous. Je ne suis pas venu chercher ma mission. Donc, je ne peux pas permettre que mon esprit regarde des trucs bizarres. Qu'est-ce qu'il aura fait s'il y a? Le devil at work, le diable est au travail. Mais moi aussi, je suis au travail avec l'esprit du Seigneur. Je ne peux pas me laisser faire. Je ne dois pas me laisser faire. C'est pourquoi vous devez vous lever aujourd'hui et stopper le plan du diable. Il y a beaucoup de jeux vidéo sataniques, des jeux vidéo même. Tu joues et on parle de magie seulement. On a même deux vidéos par rapport à ça, mes amis. Que tu joues au jeu, je te dis que tu avais de faire plaisir. C'est là où on t'apprend à faire de la sorcellerie en même temps. Ils sont mauvais. C'est ça. Inventer de belles choses. C'est-à-dire, le diable va maintenant embellir les choses qui sont censées être mauvaises. Le diable va embellir le mal. Il va embellir les choses mauvaises afin de vous présenter ces choses-là comme de bonnes choses. C'est là les gens vont commencer à appeler le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, deux hommes peuvent se mettre ensemble, deux femmes peuvent se mettre ensemble. Qui a inventé ça? Ça, c'est une nouvelle technologie quand même. Parce que ce n'est pas possible, non? Mais si une femme est avec un homme, à un moment donné, elle découvre que l'homme avec elle, elle est là. Il était une femme il y a quelques années. Sérieux? Comment tu as fait pour devenir un homme, ma chérie? Moi, je ne comprends pas. Nang's Les hommes reborn. veulent corriger Dieu.
Les filles sont là toutes en train de se maquiller. Oh, mon make-up! Quand tu veux venir, la fille a dit non, ne me filme pas, c'est un maquillage. Quand tu veux toucher son visage, oui, ne gâte pas mon make-up! Ne faut pas gâter mon make-up! Oh. Ça, c'est quelle manière de dire ça? Je ne comprends pas. Dans quel je pense que notre vidéo va suivre. Si vous n'êtes pas abonné à Bonne Voiture, la prochaine, nous allons parler de plein de choses maintenant ici sur ce board. Je vais vous dire que les choses sont les problèmes. Soit quelles soient les difficultés, nous devons toujours avancer. Si vous êtes d'accord avec moi pour cette première partie, parce que c'est la première partie, laissez un j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo et faites vraiment attention à vous. Ça va apporter un déclic à votre esprit d'abord, en attendant que le du loup arrive maintenant pour vous mettre du feu. Soyez prêts.